Toi aussi, tu veux être fit comme Anne-Sophie qui est musclé comme Pierre-Yves? Tu es au bon endroit. Grâce à cet entraînement révolutionnaire et totalement innovant, crame jusqu'à 3500 calories intra-training et 6704 calories pendant 6 heures après ton entraînement. En plus de ça, tu boostes ta croissance musculaire de 40% comparé à un entraînement de bodybuilding californien en stringer sur le bord d'une plage. T'es prêt? Allez, c'est parti. T'as gommé mon speech comme un flan tel un flambi dans une cantine de primaire? Dommage. Aujourd'hui, on va faire du crossfit où la patience et la rigueur est de mise pour progresser. On part sur un AMRAP de 12 minutes aujourd'hui où vous aurez besoin d'un dumbbell. Charge RX homme 22,5, femme 15 kg. Si vous n'avez pas de dumbbell, prenez une charge additionnelle de type modéré. Donc, deux mouvements, alternating dumbbell snatch, donc au dumbbell. Et mouvement numéro 2, ce sera des V-up ou des sit-up. Donc, vous commencez sur 6 répétitions de snatch, puis 6 répétitions de V-up, option RX, option scale, sit-up. Et à chaque fois que vous avez terminé ces deux mouvements, vous partez sur 6 reps supplémentaires. Donc 6-6, 12-12, 18-18, comme ça jusqu'à la fin des 12 minutes. Entraînement donc à résistance musculaire, chaîne postérieure, chaîne antérieure. On va vraiment cibler tout le corps, donc attention à ne pas partir sur des séries trop longues lorsque les séries vont s'augmenter. Pensez à breaker assez tôt. Pour le warm-up, vous allez faire 4 tours, 4 inchworm to push-up, 10 secondes hollow hold et 10 single arm dumbbell sumo deadlift high pull, ainsi que 5 strict press à un bras par côté. Faites attention au standard sur les mouvements, notamment sur le V-up, un mouvement assez compliqué où lorsqu'on est sous fatigue, on a tendance à un petit peu le bâcler, donc restez bien vigilants là-dessus. Prenez soin de vous et à bientôt. Ciao.